et bonne année. Que cette année vous porte joie et bonheur. Ainsi que la santé pour vous et vos proches. Cela fait exactement un an que nous avons posté notre première vidéo sur YouTube. Bon anniversaire les gaufrettes. Nous vous remercions pour cette formidable année. Sans vous, cette aventure n'existerait pas. Un grand merci à vous. Découvrons la recette du jour avec le jeu de mercredi. On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour les chocolats garnis, il faudra 50 ml de crème liquide, 150 g de chocolat noir, du nougat et des spéculoos concassés. Je fais fondre le chocolat avec la crème au micro-ondes 2 minutes à 450 watts. Je laisse reposer 1 minute et je mélange. Je verse un peu de chocolat dans le fond de chaque alvéole du moule. Je dépose un peu de nougat dans la moitié des alvéoles et un peu de spéculoos dans l'autre moitié. Je recouvre toutes les alvéoles avec le reste de chocolat. Je tasse en tapotant le moule sur le plan de travail. Ça part au frigo pendant 2 heures minimum. Pour les chocolats fantasy, il faudra 50 ml de crème liquide, 150 g de chocolat noir, de la noix de coco en poudre et du citron confit. Je fais fondre le chocolat avec la crème au micro-ondes 2 minutes à 450 watts. Je laisse reposer 1 minute et je mélange. Je remplis toutes les alvéoles du moule. Je coupe le citron confit en fines lanières. Je saupoudre de coco la moitié des alvéoles et place les lanières de citron sur l'autre moitié. Ça part au frigo pendant 2 heures minimum. Quand les chocolats ont bien pris, je démoule délicatement. Mignon. Pour fêter les rois, nous avions déjà partagé les recettes de la brioche et de la galette. Ces petits chocolats, c'est l'idéal pour les accompagner. Exactement. Bon, c'est pas tout, mais nous avons des chocolats à déguster, hein. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.